êtes en train de vous dire pourquoi ce malade qui porte une... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdas du jour et leurs actus du jour. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Sans t-shirt. Pourquoi les frères? Parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. En un seul jour, on peut passer par toutes les saisons. Pluie, vent, soleil, et la veste sans t-shirt, c'est le remède contre tout ça. En fait, avec cette veste, je suis protégé du froid s'il fait froid, mais s'il fait un peu trop chaud, le vent passe, il y a un petit rafraîchissement qui passe. Mais la suite du style est encore plus importante. Regardez-moi ce jean, très très sympa qui tombe bien, mais surtout cette paire de sabots. En fait, c'est comme les chaussures qu'on donne à l'hôpital, c'est customisé par Adidas. Là aujourd'hui, vous pouvez rien dire, vous pouvez plus dire ce mec il est fou, il tend des outfits bizarres, il a un style bizarre. Mon style est adapté à la saison. Torianas, c'est exactement ce qui s'est passé. Anwar, il a embrassé Asia. En fait, Asia, c'est un être humain comme tout le monde. On a le droit de l'embrasser, on a le droit de faire tout ce que vous voulez. Mais Asia au réveil, sur la tête de ma mère, les gars. Asia au réveil, j'ai pleuré du sang quand j'ai vu ça. Faut faire partie des 47 derniers samouraïs pour pouvoir faire ça, je vous le dis. La vie de ma mère, je vous parle de vrai. Il faut avoir les couilles à Thanos pour pouvoir faire des trucs comme ça. La vie de ma mère, Voldemort. Tu lui dis si t'embrasses Asia au réveil. Tu butes Harry Potter, la vie de ma mère, il dit ça y est, c'est bon. Il n'y a plus d'ange mort, de Voldemort, de ma bite, je me casse sur la tête de ma mère, les gars. Asia au réveil. Comment vous dire? Asia au réveil, c'est un peu une sorte de... Ah, vas-y, je vais même pas parler parce que je vais devenir trop méchant. Mais ce type-là, il fait partie des 47 Ronins, je vous le dis. Franchement, je voulais juste te dire un truc, gros. Chapeau. La vie de ma mère, chapeau. Comment te dire que... T'as vu Jean Moulin? Il a été torturé par les Allemands. Ah ben la vie de ma mère, il aurait dû embrasser Asia au réveil, il aurait tout avoué. Il n'y aurait plus de résistance, il n'y aurait plus de ma bite. Ouais. Et ce que t'as fait, c'est incroyable, c'est une prouesse. Après, gros, je l'aime vraiment. Tu l'aimes vraiment? Je l'aime vraiment, je l'aime sincèrement. C'était sincère, quoi. C'était sincère. Sur la tête de ma mère, je préfère embrasser Maël au réveil qu'Asia. Et je te le dis sincèrement. Je suis d'accord que ça prouve que je l'aime réellement. Je ne peux plus dire que je suis pour le buzz ou quoi. Ça prouve soit que tu l'aimes réellement. Je crois que t'es le demi-frère à Voldemort. C'est un des deux, mais ça prouve quelque chose. Mesquina, la pauvre. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoyer, mais on m'appelle souvent Beau Gosse. J'ai un surnom. Là, vous êtes en train de vous dire pourquoi ce malade, il porte une veste sans t-shirt. Parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est pour se protéger de toutes les saisons. En avril, il fait chaud, il y a du vent, il y a de la pluie. Et justement, la veste, elle me protège du soleil. Et s'il fait un peu trop chaud, le vent est grave. Les gars, vous me connaissez. Depuis le début sur Snap, quand je vous partage un compte, c'est que c'est un compte que ça là, et que c'est de faire. Il s'occupe dans la prison. Les chaussures sont éclatées au sol. Drixé, Cédric, ouais, Drixé, je te permets pas de dire ça, mon frère. Je te dis la vérité, je te permets pas. Je vous ai expliqué la dernière fois que les pieds de l'être humain ne sont pas faites pour être dans des chaussures classiques, genre serrées, dans des Air Force One ou quoi. Ça, frérot, t'es super bien dedans. Et tu peux les enlever quand tu veux, t'es léger, t'es libre. Ne crois pas aux rumeurs. Une rumeur peut t'amener à détester un innocent pour aimer. Ce monsieur vient de me traiter d'abruti. Je te demande de pas t'en mêler, c'est une histoire entre moi et lui. Vous m'avez traité d'abruti? Ouais. Je pratique les arts martiaux, judo, taekwondo, aikido. On me traite d'abruti, je ne colle pas. Je regarde droit dans les yeux et je m'en vais. Bah, tire-toi là. Vous avez de la chance. Allez, prenez votre chariot et partez. Gros connard. Vous avez de la chance. Partez. Allez. Salaud. Chacun contrôle total. Allez, en route. On y va. Je suis désolé pour cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Salope ! Et maintenant, on passe à la story de Mansour, 22582 sur Snap, parce que beaucoup ont demandé après Mansour des nouvelles, des news. Ouais, bonne journée tout le monde, ça va quoi? Ça va, alhamdoulilah, tu me régales. Bonjour. Bestie, reste connecté. Aujourd'hui,
Radio-tube, truc de fond. Je sais pas pourquoi. Reste balancé. Tu me régales, je sais pas pourquoi. Waouh. Où il ne vient, c'est bon fermé. Zalma caisse. Ou la meuf Hamch. J'ai pas compris. Tu me régales. Je sais pas pourquoi tu me régales. Waouh. Le ham, les gars, j'aime bien le ham. Je viens d'assez, papa. Je sais pas pourquoi. Waouh. Le ham, les gars, j'aime bien le ham. Maintenant, sortez mon caserron. Des ans. Manger. Après, moule manger. Parler, c'est bon. Voilà. Reste de manger. Roucher comme ça. Bec, bec. Et maintenant, on passe à la story de Asia Team NS sur Snapchat. Je me réveille de la team à 6h55. Je ne cache pas que je suis encore fatigué, mais. J'ai trop mal au ventre. Je crois que je dormais un peu après, je me réveille. Et maintenant, on passe à la story de Lenny sur Snap. Super. Les gars, aujourd'hui, je suis grave matinal. Mais par contre, le quartier, lui, il l'est pas trop. Ah, il fait beau aujourd'hui, en tout cas, ça fait plaisir. Les gars, aujourd'hui, je suis. Le petit chien, super, super mignon. Regardez ce qu'il a fait à mon haut tout blanc. Self-control, self-control. Le petit chien. Bon, là, il paye pas de mine. Mais dans 6 mois, le premier qui parle avec moi. Oh là là, quand il aura grossi, plus personne parlera avec moi, les frères. Bon, là, il paye pas de mine. À chaque fois que je snap quelque chose qui a de la vie autre qu'un être humain, on me dit de pas le manger. Ça commence à être chiant, les gars. Je peux snapper n'importe quel animal. On me dit, le mange pas. J'ai compris, les gars, je ne vais pas m'amuser à sauter sur n'importe quelle bête que je vois dans la rue et lui mettre mes dents, mes grandes dents, dans la gorge. Donc, arrêtez de me dire de pas le manger, je sais. Et maintenant, on passe à la story de Bison Blanc 6677 sur Snap. Casson. Voilà, mon grand frère, ouais, j'ai faim, on a Paname, envoie-moi une bonne adresse là, qu'on graille tout là. T'as vraiment faim ou pas? Voilà, j'ai vraiment. Sérieux, tu t'amènes dans une bonne adresse? Oui, bonne adresse. T'es chaud? Sa mère, oui. Vas-y, suis-moi. Petit casson loca, on traîne entre un doggy. Les slas sont remplis de sang, ça vous les fait. J'en ai sous le bandana, Blue Magic, on inonde Paris. Un kill, tire dessus ton pote, tu dégueules. Tout en Fendi, même ta petite copine qui flatte des gueules. La famille, les raffinés, c'est l'une des plus grosses adresses que j'ai fait à Paris. Et ça, j'ai clairement pas peur de vous le dire. Parce que de 1, niveau accueil, ils vous accueillent les bras ouverts. Avec un grand sourire, bien sûr, et tout ce qui va avec. De 2, faut savoir que leur viande, elle est totalement fraîche et elle sort tout droit de la boucherie. Il n'y a pas de surgelé. La famille, c'est simple. Leur adresse, elle est là. Leur snap est là. T'as juste un truc à faire. À swipe up, à l'ajouter. Et je vous le conseille fort, fort, fort. Fini, en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait. Vous croisez un jour là-bas, parce que je compte y aller. Appelle-toi frère, on s'est connu par terre. Des affaires. J'ai trop la dalle quand je pense. Ouais, le grand frère. Écoute, bon, là, je suis fatigué. Allez, mon mal, écoute, t'as ramené des cacahuètes et je t'ai payé des chaussettes. Tu m'as ramené des chaussettes? Ouais, c'est pour toi, grand frère. C'est du mec? Eh, je te montre pas, c'est des fausses. C'est des chaussettes, nique ta mère. Eh, mais je parle pas à toi, un grand frère. C'est juste, c'est des fausses. Mais pourquoi c'est des fausses chaussettes? Des chaussettes, ça. Ah, mon gars, j'ai pas de sous ces temps-ci, c'est chaud. Écoute, tu vas m'écouter ce que je veux te dire, ouais. Attentivement. T'as vu, oui. toute la journée, toute la nuit, on a roulé. Ouais, on a roulé. Déjà, ouais. Tu vas aller te laver parce que t'as des chnouna. De 1. Merde. De 2. Va prendre une douche, s'il te plaît, mon frère. Voilà, et de 3. Moi, je suis pas une trace. Ouais, donne-moi ça. Bandit. Et vas-y, et reviens plutôt qu'à ma porte. C'est bon? Ah, je viens de te réveiller dans une heure. Tu fais quoi? Bah ouais, bah grand frère, depuis tout à l'heure je t'attends, moi. Tu t'es douché? Ouais, je me suis douché. Sûr? Ouais. Tu t'es pas douché? Non. Je me suis pas douché. Ça veut dire, ça fait une heure que t'es devant ma porte. Ça fait une heure que je t'attends, grand frère, tu l'as foulé. Et tu t'es pas douché? Non. Moi qui paye, c'est le mouvement qu'il faut refaire. J'ai commencé très tôt.
rien, j'ai dû couper les ponts. Qui con. Et même si je t'aime pas, j'ai passé l'âge. C'est fini le Covid, je te fais la bise. Mais... Et maintenant, on passe à la story de Célia, alias Medusa, à 3434 sur Snap. La gente está muy loca. What the fuck? Piscine à département, pizza aux fruits de mer. On a un projet et puis tout s'éteint. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah. Yeah, yeah. J'suis dans le game en roue arrière, tes rappeurs sont licenciés. Le roro, ah ça sent le roro, hein. Quelques peines de cœur, mais y'en a monnaie qui compense. Fais-toi en vigueur, j'avance droit comme une nuit et demie. Je réfléchis, j'y pense, j'y pense. Oh là 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 là, on va se régaler Pacheco. Non mais là je fais comment là? Je fais comment pour l'enlever? Ah j'ai peur. Oh là là, je peux pas. Je peux pas. Ça va Pacheco ma vie? Mieux que Disney ou pas? Mieux. Où? Hollywood. Hollywood, oui. Ma vie, je l'aime, moi. Là, avec Pacheco, on va aller chez la coiffeuse. Enfin, tout pour moi. Parce que ce soir, on va sortir et il faut que je me fasse belle. J'en ai marre d'avoir tout le temps cette coupe. J'aime trop, mais j'en ai marre. Et Pacheco, tu vas faire quoi, toi? Un swing. Tu vas faire un swing? Oui. Bon, je sais pas. Bon, dans tous les cas, au pire, il me lâche pas, on se quitte pas, il me suit partout. Puis voilà, quand on vous aime. À tout à l'heure! Partout. Bah, si à 7h, on s'habille. Oui. On va manger un bon escompte. Ouais. Ouais. Et partout. Bah, si à 7h. Bon, moi j'ai fait un soin NG, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et Pacheco, il a fait un soin visage. Okay. Ça veut comment le soin qu'il a fait? Un soin à l'argile. Un soin à l'argile, voilà. T'es content, Pacheco? Oui. T'aimes Lyon? Oui. Tu veux rentrer à Perpignan? Non, reste là. C'est bon, par nous. On va rester à Lyon, on va devenir lyonnais, voilà. Je repars incognito. Taka, 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 ça sent la gâti. Regardez le outfit de moi et Pacheco. Vous aimez bien ou pas? Parce que ce soir, on sort. Voilà. Bisous, mes... Star. Mes stars, non pas mes stars. Mes petits cornichons. J'ai donné le mien, ce coin un con, c'est quoi que mon prochain. J'ai mis mes lunettes, ah, tu vois plus mes yeux, tu vois plus mes yeux. J'ai mis mes lunettes, ah, tu vois plus mes yeux, j'ai mis mes lunettes. 3, 2, 3, 2, 1. On y va tout le monde, elle savait pas qu'elle venait pour moi, elle savait pas, elle voulait donner. Elle a dit qu'elle a 27 ans, elle a dit qu'elle a 27 ans, alors qu'elle a dit tôt. Oh là là, elle a menti sur son âge, elle a mis tôt. Oh là là, elle a dit qu'elle a 27 ans, non, alors qu'elle a 17 ans, elle a mis tôt. Oh là là. Pas t'y prendre, y'a des gros gaillards qu'on a eu qui me demandent des photos. J'en reviens de loin, tellement loin, que j'ai pu faire quelques affaires avec mon père. S'il est actif dans les années 2000, je connais de la flamme, puis je connais celle qui a fallu. Baby, won't you come my way? Got something I want, baby. Et maintenant, on passe à la story de Angie.chérie sur Snap. Hello! J'ai juste pas snappé hier, mes amours, parce qu'on était sur un jour off. On était tous trop fatigués du déménagement. Je pense qu'on n'a pas fait grand chose, donc c'était pas intéressant. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, il y a la fibre qui arrive, donc on va pouvoir commencer à utiliser nos PC, la télé, etc. C'est trop bien, il y a le mec qui est en train d'installer la fibre. Après, je vais organiser une surprise à 4B. Donc du coup, je vais aller faire un petit tour dans des magasins de décoration, ou pâtissier, tout. J'en sais pas plus, des fois il regarde mes stories, mais je crois qu'il m'écoute pas. Donc c'est bon. Et après, j'ai reçu son pull. Vous vous souvenez le pull que je lui ai rétréci? J'en ai pris un autre et je l'ai reçu, il faut que j'aille lui chercher. Donc, let's go. C'est bon, j'ai récupéré le premier colis, c'est censé être la box internet. C'est plus chine, c'est pas une box internet ça. Oulala, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ok, là je viens de récupérer le deuxième colis. C'est un truc Ikea, mais je sais même plus c'est quoi. Une surprise à la maison. J'ai un peu plus de ma vie de camionneur. Et là j'ai récupéré aussi ma coiffeuse. Faire mon coup et make-up dans ma chambre. J'ai ouvert le colis sans vous, je vous ai oublié. J'étais à fond, j'étais en train de monter le truc. En fait, ça va être une lampe. Sauf que là, je suis en train de galérer. Je suis fou malade, je ne comprends pas le plan. Donc, ouh, je m'énerve un peu tout seul. C'était censé ressembler à ça. Mais ça ressemble à ça. En fait, je vous explique. Là, il faut le tirer pour le mettre autour, mais il est trop court. Je me fais arnaquer encore. Allez, il est 16h, je vais commencer à préparer la surprise pour 4B. S'il vous plaît, ne le dites pas. Dites rien, c'est entre nous. J'ai besoin de vous. Je vais faire à manger, mais je vais faire à manger plein de petits trucs, des petits fours, des petites dégustations. Envoyez-moi des recettes, des idées, et comme ça, je fais vos courses et je choisis ce que vous avez dit. Ah, les ballons roses, il va pas être d'accord. Et maintenant, on va regarder la story de Krimoho 2 sur Snapchat. Contre la montre, là, j'ai acheté un billet à 200 euros au retour Perpignan. Mais bon, je pense que c'est mort, je crois que je vais être en retard. Contre la montre, là, j'ai acheté. Vous pouvez mettre pause pour lire. Là aussi, vous pouvez mettre pause pour lire, je pense. Je vais continuer à suivre mes valeurs et prouver que je l'aime en ne la dénigrant pas. Et en passant à autre chose, si tu vois ma story, sache que je suis à bout. Là aussi, tu veux te marier avec qui, frérot? Voilà, vous pouvez mettre pause à chaque fois. Voilà, merci Paris, j'ai raté mon train. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais reprendre un hitch pour retourner à Saint-Denis. Voilà, merci. La tristesse est causée par l'intelligence. Plus tu comprends certaines choses, plus tu souhaites ne pas les avoir compris. Capito, capiciami. Entre nous, il n'y a aucune alta. On fait nos bails au final. Apparemment, ça coûte pas. Tu sais dire que ok, au final tu n'écoutes pas. Et là, on va terminer par la story de Crevette 66B sur Snapchat. Mais pas, tu veux voir tonton Nas? Dis-tu bonjour Nas? Ça va? Ça va. Ça va. Dis, ça va la fraise? Oh, dis-lui tais-toi, papa. Tais-toi, papa. Je vous jure, hier je me suis vraiment fait allumer. Je vais vous montrer les traces et les séquelles qu'ils m'ont laissé. C'était un truc de malade. Je vous jure, hier je me suis. Regardez les bleus, c'est un truc de malade. Mais malgré ça, je vous jure que j'ai passé un bon moment. Surtout celui d'en haut là, c'est celui-là qui m'a fait le plus mal. Regardez les bleus. Qu'est-ce que tu fais? Prends les sous. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Acheter une bonbon. Tu vas acheter quoi? Acheter une bonbon. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Papa. Papa qui? Crevette. Prends ces bonbons. Pas ça, wesh. Quoi? Pas ça, wesh. Prends ces bonbons. Qui t'a pris à parler comme ça? Qui t'a pris à parler comme ça? Il est tombé. Lève-toi comme un guerrier, Slimane. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Allez, viens, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Il est tombé. J'ai pas mal. Répète-le. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Il est où le bobo? Il est le bobo là. Dis, je suis un homme.
Un nombre. Un nombre. De quoi? J'aime. T'aimes les poules? Mais regarde, elles sont en train de faire n'importe quoi, Slimane. Ils mangent. Eh, c'est devenu n'importe quoi chez moi. Ils sont en train de les apprivoiser au fait, mais ils sont en train de faire n'importe quoi. Slimane, t'aimes les poules? Ils sont en train de les apprivoiser au fait, mais ils sont en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me fais là? Elle apprend à te connaître. Elles sont belles. Hein. Oh, tu m'as chargé le sac? Ah, oui. Il est bien chargé? Voilà la boucherie Belsem, l'équipe, c'est à la place Kassane. Venez là direct, vous vous garez et vous venez vous servir. Oh, tu m'as chargé le. Vous voyez ce jeune homme? Il est venu au quartier me chercher. Parce qu'il y a quelques jours, j'avais passé une annonce comme quoi je recrutais pour les personnes qui veulent faire du porte-à-porte dans le commerce et le déploiement de la fibre optique. Tu as vu mon annonce? Je suis venu directement. T'es venu directement pour ça? 800 km, d'Evreux. Alors, vas-y, dis-moi comment t'es. Je suis motivé, je suis régulier, je suis tout le temps à l'heure et j'ai envie de faire ça. T'as envie de faire ça? Oui. Tu veux ce poste? Oui. Tu le veux? Oui. Allez, c'est bon. Demain, tu viens un journée avec moi découverte. Je te donne rendez-vous demain. Je t'appelle ce soir. Et on va. Aujourd'hui, je suis avec la tête du leader de la team Zampex. Il est là. Il s'appelle Aïssem. Et Aïssem, il a un groupe, au fait, sur YouTube, sur Snap. Il a une team qui s'appelle la team Zampex. Et en fait, c'est des jeunes en situation d'handicap. Et ils font plein d'animations, plein de choses qui font rire. Et tout à l'heure, je vais vous mettre leur chaîne YouTube ou même voir leur Snap, ajoutez-les et ça leur ferait plaisir, ça me ferait plaisir et ça leur donnera de la force. Et restez connectés parce que bientôt, on va partir à Toulouse et à Montpellier. Et on va faire quoi là-bas? On va aller voir un match. D'accord, ok, c'est bon. C'est carré. Je dis pas les dates, mais c'est une surprise. Allez, c'est bon. Et avec qui tu vas y aller? Avec la team. Et qui? Avec tes crevettes. La team, c'est Zampex, c'est le cousin Crevette. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et YouTube, on va vous régaler. Non, mais attends, tu m'as dit ou Snap ou YouTube. Je peux pas partager les deux en même temps. Qu'est-ce que tu préfères, Snap ou YouTube? Snap. Snap? Oui, Snap. Bon, allez, tu as passé une bonne après-midi avec moi? Oui. Tu t'es régalé? Oui, je me suis régalé, merci. Allez, vas-y, ciao, rentre bien. Ciao, merci. Ciao. Tu as passé une bonne après-midi avec moi? Développement économique, expansion économique, centralisation économique. On peut vous aider dans. Il est venu me voir, il est ému, skin. Depuis tout à l'heure, ça fait que l'ajouter. Comme on peut le voir ici. Alors que c'est que le début, j'imaginerais même pas les 24 heures. Son nombre de vues, il a explosé x10. Merci vraiment, Crevette. Ça reste pas s'ajouter. Je te remercie vraiment énormément. Je suis vraiment ému. Inexpliqué. Il est 4h du matin, mes tares sont briquées. Tu me parles de ton développement économique. Qu'est-ce que je m'en fous, frère? Économique. Vas-y, remets-moi ma musique et voilà. SWQ de RTV. Dites-moi honnêtement, quand vous allez dans votre boîte à lettres, qu'il fait beau, que tout va bien et que vous voyez tous ces courriers, quelle sensation ça vous fait? Non mais franchement, dites-moi la vérité. Ça fait mal. Donc voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas du jour. Après, ils n'ont pas tous snappé. Par exemple, 4BDV n'a pas snappé. Lauriana, elle a mis juste 3 photos, tout comme Maël, il a mis une story trop rapide, ou Grace, ou d'autres, voilà, qui n'ont pas, parce que c'était dimanche, voilà, jour de repos, jour de Seigneur pour d'autres, vendredi, c'est le vendredi saint pour les musulmans, samedi, c'est le Shabbat, donc eux, ils font des longs week-ends, je crois, ils sont multiconfessionnels, en fait, ça les arrange. Ouais, non, le dimanche, c'est vrai qu'il y a moins de. J'ai remarqué, ça snap moins le dimanche. Pourtant, c'est là où les. Bref, c'est là où les gens ont plus de repos, ils regardent plus les réseaux sociaux. Moi, je vois sur YouTube, en général, c'est samedi, dimanche, où je fais le plus de vues. Voilà, ça dépend. Ça dépend s'il y a des buzz en semaine. Bien sûr que les buzz vont prendre le dessus, tout simplement. On a pu voir la story de Crimo, que voilà, il a été partagé récemment par des membres de la team Nasdas. Donc j'ai son adresse Snap. Et on a pu avoir des nouvelles de Mansour. Tu me rigoles. Iii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 
Mansour, j'ai vu, il y a beaucoup de commentaires qui demandent de ses nouvelles. Ben, vous avez son adresse Snap là-dessus, voilà. Donc, pas beaucoup de stories aujourd'hui. Et la story d'hier, des membres de la team Nasdas, on a pu voir un bout de partie d'une interview où Nasdas dit qu'il va quitter les réseaux. Pas définitivement, mais pour voir grandir son fils, tout ça, tout ça. Non, ne pleurez pas dans le chat. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, il va revenir. Voilà, il va revenir. J'en suis sûr. J'en suis sûr et certain, voilà. Donc, voilà, un peu Crimo qui loupe son snap. Nasdas, il en avait parlé, qu'il allait venir aujourd'hui. En fait, bon, il a loupé son train. Le train Angie qui est revenu, pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, qui s'installe avec 4BDV et, comment elle s'appelle, Loriana qui se mettra au-dessus. Elle a acheté trop de trucs, quoi, comme moi, je ne me suis pas vu quand j'ai emménagé, voilà. Quand j'ai emménagé, mais bon, moi, j'achète certains meubles, je les prends d'occasion, s'ils sont en bon état, je les nettoie un petit peu, voilà. Pas mal de trucs, je les achète d'occasion. Peut-être je vais acheter du neuf, quoique j'ai des travaux d'abord à faire avant de... J'ai pas mal de travaux pour la troisième pièce, voilà, la troisième pièce et la mansarde en plus. Donc j'ai pas mal de travaux à prévoir. Après peut-être je vais voir l'ameublement, voilà, j'ai déjà meublé ma chambre, enfin la chambre et le salon. Salon, salle à manger et cuisine. 36-15 quoi, de ma life. Donc voilà, c'est tout pour les actualités du jour de la team Nasdas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.